Et pour un jeune qui n'avait que quelques combats derrière lui, il a très, très bien fait. Ce combat est attendu à l'échelle internationale depuis très longtemps et mettre aux prises deux des plus puissants poids mi-moyens de la planète. Ce combat vous est présenté exclusivement par les thermopompes Gary Chatra. This fight has been talked about for months around the world as two of the most powerful welterweights on the planet will now collide. This bout is proudly brought to you by Gary Chartrand Heating and Conditioning. Veuillez prendre note qu'aucun titre n'est en jeu dans ce combat international. Please take note that no title is on the line for this international super fight. Ce combat est prévu pour trois rounds de cinq minutes. This bout is scheduled for three rounds of 5 minutes. L'arbitre, the referee, Monsieur Yves Lavigne. Tout d'abord, dans le coin bleu, il s'agit de son premier combat dans l'organisation TKO. S'affiche en combat ultime de 7 victoires et 4 défaites, incluant 6 victoires par KO. De Sherman, Texas, mesurant 5 pieds 10, pesant 170 livres. Introducing first, in the blue corner, he is making his TKO debut and he has a pro mixed martial arts record of 7-4, including 6 wins by way of knockout. From Sherman, Texas, standing 5'10" and weighing 170 pounds, ladies and gentlemen, one of the most dangerous strikers in the world, the secret weapon, Pete Spratt! Son adversaire dans le coin rouge. Il s'agit de son 5e combat dans l'organisation TKO. Il est toujours invaincu en combat ultime. Avec une fiche parfaite de 4 victoires et aucune défaite. De 16 ans, Québec, mesurant 5 pieds 10, pesant 170 livres. His opponent in the red corner. He is a 4-time TKO veteran with an undefeated pro mixed martial arts record of 4-0. From Saint-Eustache, Quebec, standing 5'10" and weighing 170 pounds, il est le champion canadien des poids mi-moyens. He is the undisputed TKO Canadian welterweight champion. Et ce soir, il fait face au plus grand défi de sa jeune carrière. Ladies and gentlemen, Rush! Georges Saint-Pierre! Voilà, mesdames et messieurs, on est prêt pour ce combat. On vous l'a dit, on vous le répète, le championnat canadien de Georges Saint-Pierre n'est pas à l'enjeu. Saint-Pierre qui porte le maillot noir. L'arbitre, Yves Lavigne, et voilà. Tout le monde est prêt. Let's get it on! C'est parti! C'est parti! Allons-y, messieurs! Encore une fois, l'expérience du côté de Pete Spratt. Georges doit absolument amener le combat au sol. Un autre avantage pour lui. Bien rabattu! Bien rabattu au sol! Très bien fait! Tentative. Et là, Saint-Pierre va tenter de passer la demi-garde de Pete Spratt en ce moment. Et je vais vous dire une chose, au sol, Georges a un avantage énorme sur Pete Spratt. Énorme. L'avantage de Saint-Pierre, c'est que non seulement est-il fort, mais il est ultra rapide après ça. Là, Saint-Pierre, voilà. La position montée de côté. De côté. Là, Spratt doit être prudent avec les genoux et les coudes de Saint-Pierre. Saint-Pierre, là, c'est son pain et son beurre, cette position-là. L'Américain qui s'est mis lui-même en péril. Et voyons de quelle façon Spratt Saint-Pierre... Spratt, dans le premier round, n'aurait pas dû lancer un coup de pied. Il aurait dû boxer seulement. Coup de genou. Saint-Pierre, il va tenter... Et voilà, position montée complète. C'est fait. Et les jambes accrochées en plus de ça. Et là, on voit que Saint-Pierre est nerveux parce que d'habitude, lorsqu'il prend cette position-là, c'est pas long que les coudes descendent. On voit qu'il a de la nervosité. Mais on peut pas le blâmer non plus. Oh, et là, Spratt a donné son dos. Le dos et tentative d'étranglement arrière. Étranglement arrière.
L'impression qu'il... Non, il a échappé. Le... Spratt s'est bien défendu. Oui, l'expérience, hein? Non, coup de poing maintenant. Oh. Il a donné son dos. Et là, Georges lui a donné un coup et Spratt n'a pas aimé ça. Est-ce que... Spratt qui se défend tout de même assez bien. Et Saint-Pierre qui prend son temps aussi. Saint-Pierre prend son temps, Spratt prend son temps aussi. Il se défend bien, Spratt. Et voilà, encore une fois, il donne son dos et là... À cheval sur son rival. Il ne doit pas jouer à ça trop avec Georges Saint-Pierre. Là. Georges travaille le bras, là. À un moment... voilà, il a tourné! Beau travail de Pete Spratt. Donc, bien fait, très bien fait. Beau et ça vous donne une idée de l'expérience. Voilà, maintenant... Oh, bonne droite, mais qui n'a pas atteint la cible solidement. Voyons comment Saint-Pierre va s'en sortir, s'il en est capable. 2 minutes et presque. C'est surprenant que ce n'est pas Spratt qui a essayé de ramener Saint-Pierre vers le centre, mais plutôt Saint-Pierre qui a ramené Spratt vers le centre. Quel bon Saint-Pierre! Pirouette qui était très bien fait à l'avantage. Quel mouvement de Georges Saint-Pierre. Il est maintenant en position montée complète. Et là, Spratt ne comprend rien. Absolument. C'est ce que Georges disait. Alors, comment est-ce qu'il va... Et là, Spratt est dans le groupe, Jean-Paul. Croyez-le. Et là, Saint-Pierre le ramène vers le centre. À genoux, vers le centre du ring. Oh! Écrasement. Spratt, il donne et son le dos encore une fois. Oh là, est-ce que... Oui, là, je... Saint-Pierre a rentré ses crochets. Là, il est dans une bonne position. La voici. Là, par exemple. C'est un étranglement arrière, Jean-Paul. C'est terminé. Voilà. Et voilà. Et la foule, naturellement, quand vous voyez Georges Saint-Pierre, vous ne savez jamais de quelle façon il peut terminer un combat. Les portes de Las Vegas viennent de s'ouvrir. Oui, c'est grâce justement à cette victoire, je pense, qu'on est invité à Vegas. Exactement. Quelle belle performance de Rush. Est-ce qu'il est heureux? C'était à Vegas ou à Atlantic City? Son premier combat était... Les deux premiers combats de Josh à Vegas. Ont été à Vegas. Et ensuite, Atlantic. Et Matthews, ça a été à Atlantic City. Et voilà. Georges Saint-Pierre qui s'entraîne à la journée longue. Ça en plein. Exactement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, regardez, il prend la position montée complète rapidement. J'espère qu'on va voir le revirement. Regardez bien. Regardez bien le revirement de Georges Saint-Pierre. À la vitesse de l'éclat. Là, c'est les coups un petit peu de Petit Pratt. Et regardez bien avec quelle habilité. Regardez bien. Il attend que Saint-Pierre lance le coup. Que Spratt lance le coup. Regardez. Il s'empare de la... Est-ce qu'il faut être fort pour faire ça? Il faut être très fort. Position montée complète. Mais je veux dire une chose, c'est une technique de base. Exact. Et on c'est tellement une technique de base qu'elle est presque jamais utilisée en combat ultime. Et là, Georges l'a utilisé. Première tentative, ça n'a pas fonctionné. Regardez bien la deuxième. Tiens, la voici. Et là, c'est barré. Là, c'est bonsoir, il est parti. Ah, tu peux pas. Exactement comme Matthews avait étranglé Frank Trigg. Exactement. Tu peux pas te sortir de ça.